Antoine de The Car Club et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pas à La Réunion mais bien en France métropolitaine dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. On commence assez fort avec une Audi e-tron GT dans un gris un peu nardo. J'ai vu vraiment pas mal de jolies voitures en arrivant ici, une Ferrari Roma par exemple, plein de Porsche Cayenne coupé hybride, des petites Porsche 718 Cayman. La liste est longue. Donc, je serai très heureux de vous proposer encore plein de contenu intéressant. Cette Audi fait super futuristique. Donc, la plaque de Bourgogne-Franche-Comté. Je disais gris nardo, mais en fait, elle a un peu une teinte bleutée. Donc voilà, on va aller voir ce qu'on trouve ailleurs. Deuxième voiture de la journée, on se rapproche de la place d'armes et en fait c'est pas une voiture, c'est plutôt une moto. Regardez, elle est complètement folle. Et je vais vous montrer rapidement deux petits détails qui tuent parce qu'après je vais devoir aller manger. C'est le petit ours en peluche là sur le guidon et la boîte de vitesse. Une américaine pour changer, une Corvette Stingray pour les passionnés de moto. Donc là on est à la concession BMW Savi à Belfort. Hier on a essayé trois voitures différentes. La première c'était une Mini One, donc avec 102 chevaux. La deuxième c'était une Cooper avec 136 chevaux. D'ailleurs la One elle était en boîte manuelle et la Cooper en boîte automatique. On n'a pas trop aimé la boîte automatique mais les 136 chevaux étaient appréciés de la Cooper. Et finalement on a essayé une série 1, donc une 116i qui avait elle aussi je crois 136 chevaux. Et si on doit la comparer avec les Mini, la suspension était nettement meilleure je dirais. Et donc moi je profite pour vous montrer les quelques voitures qu'il y a ici. Il y en a deux qui sont intéressantes. Cette belle série 5, Carbon Black. Beaucoup de leurs véhicules ont été grêlés malheureusement, comme celle-ci d'ailleurs, on voit les impacts de grêle. Parce que voilà, le temps n'était pas trop bon il y a 2 semaines environ. Regardez la taille du machin, il est énorme. Il est posé devant l'atelier, je sais pas pourquoi il est là, mais il est majestueux. Donc au fait, pourquoi on est venu essayer des Mini et une série 1, c'était pour chercher une voiture pour mes parents. Et donc les essais ont été concluants, puisque là on vient acheter une Mini verte en British Racing Green qu'on a repérée. Elle a une super belle spécification avec les bandes blanches. Vraiment j'ai hâte de vous la montrer quand elle va arriver. Je crois que dans environ 10 jours, parce qu'elle doit prendre un convoyeur, elle n'est pas sur cette concession malheureusement. Mais pour vous donner une idée, voilà, ça va se rapprocher de ça. Une Mini Cooper, 136 chevaux. Elle sera en boîte manuelle aussi, donc ce sera très agréable je pense. Il y a beaucoup de touristes là venus de différents pays, il y a beaucoup de Suisses et là je vois que cette Porsche 992 Cab est d'Angleterre avec la plaque UK. Elle a un joli intérieur rouge et c'est une sorte de marron, c'est une Carrera S. Les amis, donc là je suis au parking d'Auchan de Bessoncourt pour venir tester une voiture que j'aime beaucoup, la Z4. Comme vous savez déjà si vous suivez la chaîne, on en avait une, on vient de la vendre il y a à peine quelques semaines et là on est venu voir une voiture qui lui ressemble beaucoup à celle qu'on a vendue, puisque c'est aussi une E85 cabriolet, donc 3.0 SI, même motorisation que la nôtre. La seule différence c'est qu'elle a une boîte
manuelle et que les jantes sont en 17 pouces au lieu d'être en 18 pouces comme sur la nôtre. Donc là, elle n'est pas là tout de suite parce que moi, j'ai déjà fait le petit tour dans la voiture. C'est mon père qui est en train de l'essayer. Mais dès qu'elle rentre dans le parking, je vous la filme. Voilà la bête, comme vous pouvez le voir, couleur Natch Blue, avec l'intérieur cuir beige, Waknapa champagneur. Ce qui change, c'est les jantes turbine de 17 pouces. Et le petit levier de la boîte manuelle. Oui, oui, oui. J'ai une peinture, si jamais la capote elle perd un petit peu en noir, c'est une peinture spéciale. Les amis, comme vous avez vu, on avait changé d'Airbnb une fois et là on s'installe dans la maison qu'on a trouvée après beaucoup de recherches. Maison avec vue puisqu'elle s'ouvre sur la terrasse. Et dans ma chambre en ce moment, c'est gros chantier vu que je fabrique mon lit. On a acheté la quasi-totalité de mes affaires chez Ikea et donc ce qui me restera à monter, ce sera mon bureau, ma chaise de bureau, mon chevet, etc. Donc je vous montre le résultat. Après la 718 Boxster Frozen Blue, une BMW M4 Yas Marina Blue, un peu comme je vous avais filmé, mais avec ces jantes-là et un joli intérieur beige. Trois voitures intéressantes à vous montrer chez Elite Auto 90, cette BMW Z4 E89. Après, ils ont cette Ford Mustang cabriolet à un prix assez intéressant, 37 990 €, et cette BMW M4 qui a roulé 100 000 km et qui est affichée à 50 000 €. Devant ces
cette superbe BMW M6 avec le fameux V10. Elle a un super joli bleu, malheureusement elle a été grillée elle aussi, et un intérieur beige avec une boîte automatique, des étriers Brembo et les 4 tuyaux d'échappement juste énormes. Je pense que le diffuseur, il est pas trop d'origine. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine.